chez Johnny Publicité spécial de la Saint-Valentin. On va aller regarder des pubs de couple. Le couple, c'est très important dans la publicité. Il y a beaucoup de décisions de consommation qui se prennent en couple. Donc, c'est pas un phénomène nouveau en publicité. On va aller voir une publicité de couple avec Germain Houde et Anne Létourneau dans une publicité de Provigo en 92-93. Un petit fruit pour dessert? Il me fait toujours le coup. Il pense qu'une pomme, c'est du dessert. J'aime ça, mais... T'as acheté des Macintosh au moins? Oh, mais voyons, madame, sortez de votre campagne. Des abricots. Des kiwis. Une papate. C'est des litchis. C'est Provigo. Un choix étonnant de fruits et légumes. Ça fait partie de votre quotidien. Mais c'est délicieux. Provigo, complice de votre quotidien. Il y a toujours une certaine rivalité homme-femme dans les publicités de couple. La prochaine pub, c'est le début d'une longue série de publicités où Marcel Leboeuf et Charlotte Laurier se chicanent pour savoir c'est qui va conduire la Jetta. Phil et Loulou s'entendent sur presque tout. 50? 50. Normal, ils viennent de s'acheter une nouvelle Jetta. Ah, ça va bien, ça va bien. Côté musique, c'est l'harmonie. Côté maniabilité et tenue de route, alors là, c'est la joie. Profites-en, t'as le plus pour longtemps. C'est calme. T'en restes seulement 20. Oh, 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 c'est fini! 50 km, c'est à mon tour. Loulou? Jetta, un plaisir qu'on ne veut pas partager. Puis à travers cette longue série de pubs où est-ce qu'ils se chicanent pour conduire la Jetta, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont probablement divorcé à cause de la Jetta, puis l'histoire nous dit pas pourquoi ils ont pas chacun une Jetta. Dans la prochaine publicité, je suis pas sûr s'ils sont en couple ou si le gars est un stalker qui arrête pas de suivre la madame. Puis devinez quoi, dans la prochaine publicité, il y a encore Marcel Leboeuf. Oh, c'est toi! Comment tu savais que j'étais ici? Je le savais pas. Tu m'attendais? Non. Et blablabla, t'as l'air. T'as-tu un café? Bye. Hey, on devrait aller magasiner ensemble. Non, j'aimerais mieux. Il y a tellement de choses ici. C'est grand, grand, grand. Je sais pas. Ça, c'est grand pour nous deux? Les centres à la mode, c'est grand et rempli à craquer de toutes les nouveautés de la saison. Tout est là. Fairview Pointe-Claire, Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval et Galerie d'Anjou. Les centres à la mode, vraiment vous. Pas assez de place pour nous deux. Très drôle, elle. Le jeu de la séduction est très important dans la publicité, en autant que ce soit le produit qui nous séduise le plus. Il faut que le consommateur tombe en amour avec le produit. Puis dans la prochaine publicité, on a encore Charlotte Laurier. Cochon! Je l'ai appris. Oh, toi, t'es né en 1959. Mais selon l'astrologie chinoise, t'es sous le signe du cochon. Oh, c'est mieux ça. Mais vous, c'est quoi votre signe? Dragon. Dragon? Je drague, tu dragues. Mon dragon? La bat drague. Toi, je te trouve à mon goût. Ça a-tu fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Quand t'es tombé du ciel. Qu'est-ce que tu manges pour avoir un beau look comme ça? Hé, hey, appelez vite la police. C'est elle qui a volé mon cœur. Excuse-moi d'être en retard, ma chérie. Tiens, le paquet de dentinaise que tu m'avais demandé. Excusez-moi. Salut. Moi, c'est Marc. Salut, Laurence. Merci. La télésérie Un gars, une fille a influencé beaucoup de publicités de couple. On va aller regarder ça. Il est assez beau, mon nouveau Windstar 99, hein? Ben oui, dépêche, là, c'est lui, là, c'est pesant. Ils sont où mes clés, là? Rouge tannée, là. Il coûte 339 par mois. Voyons, qu'est-ce qu'elle a qu'elle ouvre pas, hey, là? Hé, esprit-là, t'aurais pu prendre l'option de la porte électrique qui ouvre du sol. Oh, non. Oh, Guy, t'es tombé dans les soucis! Sylvie, peux-tu ouvrir ta cibole de porte de chambre? Hey, sur le piton! Un couple qu'on a découvert pas tellement longtemps après Un gars, une fille, c'est le couple de Pitou et Minou, Élise Marquis et Patrick Labbé dans les pubs de Tim Horton. Regarde comme elle est belle. Ah, ma tante Claudette pis ses fraises fraîches. Quoi? À tous les étés, j'allais à la cueillette avec Claudette. À chaque fois qu'elle me voyait, c'était tout le temps la même pose. Allô, ma belle petite fraise. C'est vrai que j'avais une belle petite fraise. Est-ce que t'as vu dernièrement? Chez Tim Horton, pour seulement 1,49$ de délicieuses tartelettes garnies de belles fraises fraîches. Essayez aussi nos muffins méga fraises. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Oh, mais t'es pas-tu la petite fraise? J'en veux. S'il vous plaît. OK.
Puis comme le couple de Volkswagen, le couple de Tim Horton s'est marié probablement au Tim Horton, ils ont eu des enfants probablement dans les toilettes du Tim Horton, puis ils se sont rendus diabétiques à force de boire autant de cappuccino glacé. Un autre couple marquant de la publicité, c'est le couple Canadian Tire. C'est le couple le plus fusionnel parce qu'ils font plein d'affaires ensemble, mais en même temps, c'est le couple que j'imagine le moins avoir une vie sexuelle. Cette année, pour commencer nos vacances du bon pied, on est passé chez Canadian Tire. Se procurer ceci, le nouvel onduleur portatif Motomaster. Connectez-le à l'allume-cigare de votre auto et vous avez une sortie électrique 110 volts très utile. Avec assez de puissance pour alimenter une unité télé-VCR qui va distraire les enfants pendant les longues heures d'auto ou pour faire un peu de travail avec votre portatif sur la route. Vous pouvez aussi recharger les batteries de votre cellulaire, de la caméra vidéo, de votre rasoir électrique ou de votre perceuse sans fil. Évidemment, il ne partira pas sans ses outils. C'est pratique au camping pour faire du nettoyage et profiter des journées chaudes. Comme dans le bateau, pour écouter de la musique ou avoir de la lumière en soirée. Soyez connectés partout où vous allez. L'onduleur portatif Motomaster, 175 watts, seulement 39,99 $. Et l'onduleur de 400 watts avec deux prises, seulement 59,99 $. Une autre innovation exclusive à Canadian Tire, en magasin et en ligne. Je commence avec toi. Ma copine a vous fait dire que vous avez l'air en santé. Vous devez faire beaucoup de... La bouteille de la batterie a l'air tellement petite dans vos mains. Ce qu'elle est, ta copine? Ma copine? Quelle copine? La batterie. Toi, je te trouve à mon goût. Un couple populaire, mais qui a peut-être un petit peu moins pogné que les autres, c'est le couple de Bro et Martineau. On se rappelle que le gars commençait à crouser la fille parce qu'il entendait sa voix dans les annonces. C'est le train que mon père m'a donné quand j'étais petit. Ah oui? Mais tu vas en avoir d'autres beaux cadeaux. Comme ce téléviseur 26 pouces stéréo à 379 $ ou ce lecteur DVD à 199 $. Tous deux disponibles chez Pro et Martineau. De plus, payé en 24 versements égaux sans frais ni intérêt ou en novembre 2002. J'ai hâte un jour de le donner à mon enfant. Mon amour? Tu vas pouvoir le faire. Bro et Martineau pour l'électro. Je ne sais pas si le bébé de Bro et Martineau puis le bébé de Tim Horton ont fini par se rencontrer. Un truc dont on se rappelle moins par contre, le couple de 4,5 avec Isabelle Brossard et Robert Brouillette, ben eux autres aussi ont fait de la publicité. C'est quoi ça? Tiens, ça c'est ton côté! Puis ça c'est le mien. Comme tu veux. Une douche, ça veut dire des miroirs embués. Plus maintenant, grâce au nouveau Windex anti-buée. Vaporisé et essuyé, sa formule unique garde miroir et verre pratiquement sans buée, tout en donnant ce fameux éclat brillant Windex. C'est quoi ça? Ça, c'est ton côté, puis ça, c'est bien. Fini la vie embrouillée avec Windex anti-buée. Nouveau de S.C. Johnson Wax. Allô? Bou? Hey, toi, je te présenterai à ma mère. Je t'offrirai bien de la batterie, mais tu dois avoir un couvre-feu. J'ai en permission. Maman! La batterie. Toi, je te trouve à mon goût. On va aller regarder une annonce de condom classique. Il y a faire l'amour. Et faire l'amour au Québec. Seul Durex peut aider à faire l'amour comme le Québec sait faire. Jusqu'à maintenant, les publicités de couple que je vous ai montrées sont très hétéronormatives et avec raison. C'est qu'il n'existe pas beaucoup de publicités qui nous montrent des homosexuels dans l'histoire de la pub. On commence tranquillement à en voir dans des publicités avec des témoignages, mais c'est encore très très timide, hein? La publicité est encore beaucoup dans le fond du garde-robe. Il y a eu une pub de l'Auto Bingo avec Alex Perron à un moment donné, puis plus tard, il y a eu une publicité gouvernementale qui dénonçait l'homophobie. Ça, c'était pendant la courte période où le Québec était pour tous, et pas juste pour Gaétan Barrette et Philippe Couillard.
ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Il y a aussi les couples classiques, hein? Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, Richard Martineau et Sophie Durocher. Dans la prochaine pub, on va voir beaucoup de couples bibliques et historiques. Adam et Ève, c'est fou ce qui s'aime. Sauf qu'Adam sentait franchement mauvais. Le serpent déclara: tiens, c'est quoi ça? Sa feuille tomba et vice-versa. Ouh, ouh là là, que fait-on sans bruit devant toi? Samson qui avait les cheveux longs se croyait aussi fort qu'un dragon. Dalila, dit-il, si tu veux de l'aventure, passe ta main dans ma chevelure. Ouh, ouh, ouh là là, que fait-on sans bruit devant toi? Napoléon voulait grand dévot, il voulait être un vrai Roméo. Joséphine lui dit: chérie, j'aime ton buste, mais tu verrais bien d'y mettre ton brut. Ouh, ouh, là là, que fait-on sans bruit devant toi? Robert des Bois est une bergère, jolie, joufflue et un peu légère. Robert, dit-elle, si t'es sexy, c'est que le talc de brut t'a fait ainsi. Ouh, 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 là là, que fait-on sans bruit devant toi? Ouh, 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 là là, que fait-on sans bruit devant toi? Ouh, 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 là là, que fait-on sans bruit devant toi? Ils ont oublié Pete Pilola dans la pub de Brut 33. Bon, faut dire que la pub date de 83 puis Chambre en ville date de 89. On va aller voir un autre couple historique dans une pub de Provincial avec Cyrano de Bergerac. Belle Roxane, laissez-moi agripper mon journal et vous parler du tout nouveau jeu Provincial. Je vais lire tout haut les 22 numéros, vérifier le billet pour toucher le gros lot. 6, 7, 8... Hélas, non. 5, 6, 7, 1, 7, 6, 4, 5, 3, 8. Roxane, vous aurais-je offensé? Non, non, montez! On a gagné! Le nouveau Provincial. Maintenant, 22 numéros gagnants chaque semaine. Mon ami. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Cette semaine, la pub de la semaine est dédiée à tous les amoureux. Allô tout le monde! Clooney n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. En gros, pour faire une histoire courte, il a été condamné à 5 ans de prison pour un incident qui implique une nuit sans lune, une tronçonneuse et une jeune vierge. Bref, il va être là la semaine prochaine. La pub de la semaine, c'est cette merveilleuse publicité de Paris Pâté avec la chanson « Nous autres, on est pépé ». Nous autres, on est pépé, pépé, vous autres, vous pépé. Nous autres, on est pépé, pépé, vous autres, vous pépé. Nous autres, on est Paris Pâté, vous autres, vous pépé. Paris Pâté, toi, es-tu pépé? C'est pas la seule publicité qui a utilisé cette chanson-là. On va aller voir une publicité classique avec une jeune Dominique Michel. Bon, ok, mettons une moins vieille Dominique Michel. Nous autres, on a du pep, du pep, du pep, du pep. Nous autres, on a du pep. Nous autres, on a du pep, du pep. Nous autres, on a du pep, du pep, du pep. Avec son siège social à Montréal, le plus grand nombre de stations et un investissement de plus d'un demi-milliard à Saint-Romuald, Ultramar injecte plus d'énergie que jamais au Québec. Plus d'énergie et les produits les plus performants. Faites le plein. Pep! C'est tout pour nos merveilleuses publicités de couple. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur YouTube. Et on va aller voir une publicité des romans Harlequin, une pub qui a été parodiée dans la grande liquidation 1990 de Rock et Belles Oreilles. Il y a cet aéroport où ils se sont croisés pour la première fois, sans se voir. Il y a aussi cette villa qu'elle habite depuis longtemps et où elle tente de tout oublier. Et cette chaleur qui lui fait tourner la tête. Et la musique, cette musique qui hante ses souvenirs. Et surtout cet homme qu'elle ne pourra jamais oublier.